haies, alors, tu peux nous expliquer Ouais, le... ça c'était planté il y a 3 ans Ouais. et l'objectif principal c'était de maintenir le fossé parce que ici c'est depuis qu'il n'y a plus de produits pour dératiser, on est envahi de ramusquets, il n'y a pas beaucoup de monde qui piège et donc j'ai les berges qui partaient et dans le champ du voisin il y avait quelques arbustes. Et à l'endroit où il y a ces arbustes, ben le fossé il déviait. Puis ma berge, est-ce que c'est la gueule? Donc j'ai décidé de faire ça. On a mis des fascines là où c'était en train de tomber. Puis on a planté en haute berge. Et puis l'objectif, c'est vraiment, on a mis des essences. Là, c'est que pour du BRF. D'accord. L'idée, c'est de recéper tous les 10-15 ans. Donc de l'érable champêtre, il y a 4 sortes: charme, orme, érable champêtre et aulne. Tu peux répéter? Ouais, j'étais un peu vite. Non, non, parce que c'est moi qui... Érable champêtre, Oui. charme, orme et aulne. D'accord, ouais. Et c'est con parce qu'il n'y aurait pas la végétation, on aurait vu Alors, quoi qu'est-ce dans le qu'il monde. faudrait faire là? Bah là, c'est ce que je vais faire ces jours-ci, c'est débroussailler le pied. Parce que là, il y a une grosse concurrence de l'herbe. Et aussi pour les mauvaises herbes, parce que dès qu'on n'intervient pas, il y a du Du Rumex rumex qui qui apparaît. apparaît. Donc ça je le fais tous les ans, peut-être un peu tard, mais c'est souvent à cette époque-ci parce que ben, on a fini les foins, on n'est pas encore dans la deuxième coupe, donc c'est là qu'on a un peu le temps. Donc Donc, je deuxième passe quinzaine de juin. ouais, voilà, deuxième quinzaine de juin, je passe ben, là pour les. Ouais, je passe 300, une journée pour 300 mètres quoi, en D'accord, gros. ouais. Petite journée pour 300 Au mètres. gyrophile, comme ça. Ouais. Ouais. D'accord. Donc ça c'est du boulot, c'est un peu de boulot en plus, mais c'est à une époque où ça se fait bien parce qu'on a un peu de temps. Et puis quand je fais ça, je pense aux heures de tracteur que j'évite pour ramasser de la paille au mois d'août.